الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في قراءة حاشية الرمل على الأجوبة المفيدة للعلامة الفوزان حفظه الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Que le salut et la paix d'Allah soient sur son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons, et toute personne qui les suivront jusqu'à la fin des temps. Après cela, nous continuons dans la lecture de l'annotation de Ramli sur les réponses bénéfiques du Cheikh Soal Al-Fawzan, qu'Allah le préserve. Alors nous allons lire la question numéro 47. Et la question va porter sur Ahmiyatul Manhaj, l'importance du Manhaj, l'importance de la voie et méthodologie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors celui qui pose la question, il dit: هل يتوقف على صحة المنهج جنة أو نار؟ هل يتوقف على صحة المنهج جنة أو نار؟ C'est-à-dire, est-ce que l'enfer ou le paradis est stationné sur l'exactitude du manhaj? Dans le sens que, est-ce que si une personne a un bon manhaj, c'est la cause pour qu'il rentre au paradis? Est-ce que s'il a un mauvais manhaj, c'est une cause pour qu'il soit parmi les gens de l'enfer? Donc voici la question. Donc le cheikh répond, Afizallahu ta'ala, il dit non, il dit oui. Al-manhaj, iza kana sahihan. Le manhaj, lorsqu'il est correct, sara sahibu min ahl al-jannah. Celui qui pose ce manhaj fait partie des gens du paradis. Si le manhaj est bon. فإذا كان على منهج الرسول. Si la personne est sur le manhaj du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, au manhaj salaf salih, et sur le manhaj des plus prédécesseurs, yasiru min ahl jannah bi'iznillah, il sera parmi les gens du paradis si Allah le veut. وإذا صار على منهج الضلال، mais s'il a suivi le manhaj des égarés, la voie des égarés, فهو متوعد بالنار، il est menacé par le feu de l'enfer. متوعد، c'est متوعد بالنار، il est menacé par le feu de l'enfer. فصحة المنهج من عدمها يترتب عليها جنة أو نار. Alors, l'exactitude du manhaj ou non en résulte le paradis ou l'enfer. Donc voici la réponse du Cheikh Soal Al-Fawzan, Hafizahullah Ta'ala. Voyez, la notation du Cheikh Ali Ramli, il dit: هذا السؤال يقول فيه صاحبه. Alors cette question, celui qui pose la question, il dit: هل يتوقف على صحة المنهج جنة أو نار؟ هل يتوقف على صحة المنهج
Jannatun ou nar. Est-ce que le paradis ou l'enfer sont stationnés sur les attitudes du manaj? Non, voici la question. وقد أجاب الشيخ حفظه الله et le Cheikh Salah Al-Fawzan, car le préserve, a répondu وما قاله حق, et ce qu'il a dit est la vérité. ويكفيك في ذلك, et te suffit pour cela حديث النبي صلى الله عليه وسلم, le hadith du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. Ce hadith te suffit pour montrer que ce que le cheikh a dit c'est exact. Dans le sens que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم dit, la communauté sera divisée en 73 groupes, les 72 seront en enfer sauf un seul groupe qui sera au paradis. قالوا من هي يا رسول الله. Alors les compagnons posent la question, qui est ce groupe au messager d'Allah? Il a dit al-jama'a. Al-jama'a, le groupe. Dans une autre riwaya, ma ana alayhi wa ashabi. Ce sur quoi je suis ainsi que mes compagnons. Wa fil hadith al-akhar, dans un autre hadith, qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, وشر الأمور محدثاتها. Dans un autre hadith, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم dit, les pires des choses sont les nouvelles choses. وكل محدثة بدعة. Et chaque nouvelle chose est une innovation. وكل بدعة ضلالة. Et chaque innovation est égarement. وجاء في آخره في رواية يصحها. C'est venu à la fin dans une autre riwaya, car rendu authentique, Cheikh Albani, rahimahullah, cette ziyada, cet ajout, qui est وكل ضلالة في النار. Et chaque égarement est en enfer. أي أن صاحب الضلالة في النار. C'est-à-dire, celui qui a emprunté l'égarement est en enfer. طيب. وسواء كان المقصود بالمنهج المعنى العام. Donc, ce qui est voulu par le manhaj, que le sens soit le sens général que nous avons donné, allez-y ou ahadi nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui est la guidance du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et sa voix. أو كان المقصود المعنى الخاص. Ou bien, le but c'est le sens spécifique. وهو ما يتعلق بالبدعة والسنة. C'est ce qui est en liaison avec la bida et la sunna. Alors ici, comme nous avons vu dans les questions précédentes, avec la réponse du Cheikh, ainsi que la notation du Cheikh Ali Rambli, le manhaj. Le manhaj, nous avons donné deux sens, le sens général et le sens spécifique. Alors, que le manhaj soit dans ces deux sens, que ce soit le sens spécifique ou le sens général. Le sens général, nous avons dit le manhaj, c'est hadiyun nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est la guidance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa voix. Dans le sens spécifique, c'est tout ce qui fait le contraire de l'innovation. Et tout ce qui fait le contraire de l'innovation. Taïb. Donc, que ce soit dans ces deux sens, فَإِنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ جَنَّةٌ وَالنَّارُ وَالْعَبُودِ. Donc, sachez que le paradis ou l'enfer sont, se résulte sur ces deux-là. Biman à la personne, s'il est un mauvais manhaj, il est menacé par le feu de l'enfer. S'il est un bon manhaj, alors, il fait partie des gens du paradis. فَمَنْ خَالَفَ مَنْهَا النَّبِي صلى الله عليه وسلم. Celui qui contredit la voix du messager d'Allah, du prophète صلى الله عليه وسلم, وَمَا أَمَرَ بِهِ, et ce qu'il a ordonné, وَوَقَى فِي مَا نَهَا عَنْهُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم, il est tombé dans ce que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a interdit,
فإنه يكون متوعد بالنار. Il sera menacé par le feu de l'enfer. Voilà, Nakulu Yakulu min Ahlinar. Nous ne disons pas qu'il fait partie des gens de l'enfer, parce qu'il n'est pas encore mort. Bal Nakul, on dit, Yakulu Mutawa Adum Binar. Il est menacé par le feu de l'enfer. Aïe, c'est-à-dire, Anna Rabbana Tabaraka wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kode Tawa Adahu, Allah, l'a menacé wa khawafahu, il a fait peur, annahu idha waqa fi mukhalafati al-manhaj, que s'il tombe dans la contradiction du manhaj, an yakuna mimman yu'adhab, qu'il fasse partie de ceux qui seront châtiés fi nari jahannam, dans le feu de l'enfer, thumma ba'da dhalika in kana musliman, après cela s'il est musulman, fa amruhu ila Allah, son affaire incombe à Allah, sera à Allah subhanahu wa ta'ala. Incha'a azzaba, si Allah veut, Allah le châtie. Wa incha'a afa anhu bi rahmati, si Allah veut, Allah lui fasse fait miséricorde. C'est-à-dire dans le sens que si quelqu'un tombe dans la bida et est traité par exemple d'innovateur, mais il n'a pas le shirk, le jour de Yawm al-Qiyama, il est sous la volonté d'Allah. Il est sous la volonté d'Allah. C'est-à-dire, si Allah veut, Allah lui pardonne, il rentre directement au paradis. Si Allah veut, Allah le châtie. C'est comme Sahibul Kabira, celui qui a fait les grands péchés. Alors celui-là, il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ainsi sont les innovations. Alors, Kouleha, la personne est menacée par le feu de l'enfer. Mais si les musulmans, فأمره إلى الله. ولكن البدع l'innovation لا تبقى دائما. Ça ne reste pas à tout moment dans cette situation. لأن البدعة بريد الكفر. Car l'innovation est la voie qui mène à la mécréance. Qu'Allah nous préserve de l'innovation قليله وكبيره. Que ce soit petit ou grand. Qu'Allah nous préserve de l'innovation. Donc, si les musulmans, le jour de Yawm al-Qiyama, ils décèdent en contradisant la voix du messager d'Allah, si Allah veut, Allah lui pardonne, si Allah veut, Allah le châtie, wa incha'a fa'anhu bi rahmati, s'il veut, il lui pardonne par sa miséricorde. Naam. Il veut, il lui pardonne par sa miséricorde. Wa rubbama yaf'alu asbaban ukhra. Et c'est peu qu'il fasse des causes, tout kafira anhu ghadaya, qui lui pardonnera ses péchés. Fa kawnuhu yu'azzabu fi an-nari aw la yu'azzabu. Dans sa situation, qu'il soit châtié en enfer ou pas, hadha ila Allah. Cela incombe à Allah subhanahu wa ta'ala. لكنه متوعد بالنار mais il est menacé par le feu de l'enfer. بمعنى انه يستحق الدخول النار dans le sens que il mérite de rentrer dans le feu de l'enfer. اذا خالف المنهج الحق s'il contredit le manhaj de vérité. فيكون بذلك وضع نفسه في خطر donc s'il contredit le manhaj il a mis sa propre personne en danger. Il a mis sa propre personne en danger. وَلِذَلِكَ يَنْبَغِي لِلْمَرْءِ Donc le chef lui dit, c'est pour cela que il convient à l'être humain أَنْ يَحْرِصَ de faire l'effort عَلَىٰ أَنْ يُصَحِحَ مَنْهَجَهُ de corriger son manhaj, sa voix, la voie qu'il suit. وَأَنْ يَسِيرَ عَلَىٰ طَرِيقَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ et qu'il emprunte la voie du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. Donc la masala ici, il y a un musulman, s'il est musulman, qu'il contredit le manhaj du professeur sallam en innovant et en étant parmi les innovateurs, alors s'il est musulman qui n'a pas le shirk en lui, alors il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah veut, Allah le châtie directement. Si Allah veut, Allah le pardonne directement et rentre au paradis. Voilà qu'il n'a pas coûté là comme je vous ai dit, البدع لا تبقى على هذه الحال دائما. La bida reste pas
دائما في cette situation. البدعة تبرد الكفر. La bida mène à la mécréance. Voilà pourquoi il faut s'en méfier. Il faut s'en méfier. Car on sait à quel moment on peut innover, mais on ne sait pas à quel moment l'innovation peut nous amener à la mécréance. Voilà pourquoi l'imam Barbahari, rahimahullah, dans son char sunnah, il dit « Ifzar sigarim muhdasat al-umur ». Prends garde des petites innovations. « Fa'inna sigar al-muhdasat al-sigar al-bidah » Les petites innovations « Ta'oudu hatta tasiru kibar » Ça grandit jusqu'à ce que ça devienne grand et jusqu'à ce que ça fasse sortir de l'islam. Allah nous préserve les innovations. وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ننتهي جمع نهجه. Le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم nous a ordonné de suivre sa voix, d'emprunter sa voix, وَأَلَّا نُخَالِفَهُ et de ne pas contredire sa voix. فَمَنْ خَالَفَهُ يَكُونُ مِنْ أَهْلِ الدُّلَالِ Alors celui qui contredit sa voix est parmi les gens de l'égarement. وَيَنْحَارِفُ عَنِ الطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ et il dévie de la voie droite. وقد أدى النبي صلى الله عليه وسلم ما أوجب الله عليه فبقي ما عليك أنت. Le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a transmis ce qu'Allah lui a rendu obligatoire. Alors il te reste maintenant ce qui est obligatoire sur toi, ô musulman. وهو ce qui est obligatoire sur toi en تحرص. Tu dois faire l'effort على أن تسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. D'emprunter la voie du prophète صلى الله عليه وسلم. وعلى هدي السلف الصالح et d'emprunter la voie des plus précieux الذي أمرك الله تبارك وتعالى ce qu'Allah t'a ordonné به ونهاك عن مخالفته et ce qu'Allah t'a interdit de contredire فإذا خرجت عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم si tu sors de l'ordre du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم ووقعت et tu tombes في النهي dans l'interdiction عرضت نفسك للعقوبة. Tu as exposé ta propre personne pour le châtiment. ومن تأمل في جميع الأوامر والنواهي. Celui qui médite sur tous les ordres et les interdits. التي وردت في الشرع. Qui sont venus dans la charia. ونظر فيما جاء من التحذير. Et regarde ce qui est venu des mises en garde. من مخالفتها. De sa contradiction, wa ma yatarattabu alayhi, et ce qui en résulte, alima wa la bud isura, sans aucun doute, an al manhaj, que le manhaj yatarattabu alayhi jannatun awna, le paradis ou l'enfer en résulte, sur le manhaj, c'est-à-dire, dans le sens que, si la personne a un bon manhaj, alhamdulillah, il sera parmi les gens du paradis. Et si le mauvais manhaj sera menacé d'être parmi les gens de l'enfer. وَذَلِكَ أَنَّ الْمَنْحَجِ Cela parce que le manhaj, مِمَّا أَمَرَ اللَّهُ وَرَسُولُ fait partie de ce que Allah et son messager ont ordonné. فَوَ دَاخِلٌ فِي أُمُومِ الْأَوَامِرِ Et sera rentré dans la généralité des ordres. كَمَا أَنَّ تَرْكَهُ Comme, par exemple, son délaissement au مُخَالَفَتَهُ et sa contradiction, une جُمْلَةِ الْمَنْحِيَاتِ font partie de l'ensemble des interdits. Is innal manhaj, car le manhaj, innama huwa sayr, c'est le fait d'emprunter à la tariqati nabi sallallahu alayhi wa sallam, la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, wa la tariqati salaf salih, et la voie des pieux prédécesseurs. Alors voici l'importance du manhaj. Voici l'importance du manhaj. Le manhaj, lorsqu'il est bon, la personne fera partie des gens du paradis ou à la bout s'il meurt sur cette situation. Mais si le manhaj n'est pas bon, alors la personne sera menacée par le feu de l'enfer. Et sa contradiction du manhaj peut le mener jusqu'au shirk, jusqu'à la mécréance. Comme l'innovation des soufis, l'innovation des rawafid. L'innovation des Khawarij, selon la parole de certains savants qui les rendent mécréants, les Khawarij, ainsi de suite. La bida baridul kufr,
le fait de contredire la voix du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est un danger pour la personne. Sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Et nous allons nous arrêter ici. Bismillah. Tabaraka wa ta'ala. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.